Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Les Boss Ladies Show. Yes. Je suis ravie de vous accueillir dans notre nouvel épisode, dans cette nouvelle émission. Donc, je suis le pasteur Grace, votre hôte, hein, comme d'habitude. Et aujourd'hui, je suis sur ce plateau avec des femmes spéciales. Yes. Et on va aborder un sujet tellement intéressant. On va dire, attention, c'est de la manipulation. Aujourd'hui, on veut s'adresser à des boss ladies. Je sais, tu aspires à de grandes choses. Tu veux faire de grandes choses. Tu veux cette grande maison, cette belle voiture. Tu veux même ce joli foyer. Tu veux des enfants. Tu veux un mari gentil. Tu veux trop de choses. Mais c'est pas mauvais, hein, de vouloir toutes ces choses. Mais aujourd'hui, on va quand même, on va déblayer un peu le terrain pour t'aider parce que je pense que avant de posséder, il faut d'abord être. Il faut être la bonne personne. Il faut être vraiment une personne qui est prête à posséder toutes ces choses. Sinon, toutes ces choses finiront par te détruire, en fait. Bon, donc voilà, je vais pas aller plus loin dans le thème parce que elles sont déjà très, très prêtes, hein, à parler de ce sujet. Et je vais vous présenter, dans ces cas-là, le plateau du jour. Et en commençant par Grace Mélodie, que, que vous connaissez déjà. Voilà, voilà. Salut, Grace. Coucou! De retour sur le plateau. Ah, tu as réussi là! Tu as réussi! J'ai réussi à atteindre mon objectif là! Il y a toutes les émissions. Sur le plateau des Boss Ladies, ça commence à se répéter. Ça étend mon territoire. Elle étend son territoire, elle gagne du terrain. Voilà, voilà. C'est la conquête, voilà. Ben, en tout cas, bienvenue, Grace. Est-ce que ce sujet t'inspire? Franchement, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on rencontre au quotidien sans s'en rendre compte. Ouais. Du coup, non, il faut en parler en fait, parce que ça va vraiment délivrer des personnes. Même moi-même, je pense que j'ai ressorti encore des clés. Tu fais la manipulation? Tu pratiques la manipulation? Comme si c'était un truc, tu pratiques la manipulation? Des fois, ok, d'accord, bon, on va en parler, ok. Et juste à côté de toi, il y a pour la première fois sur ce plateau, ma chouchou, ma chérie, elle s'appelle Mylène. Bonjour. Mylène, j'espère qu'aujourd'hui tu vas parler. Hein. Ah oui, même moi, ben, quand même, Crisem Grace Mélodie, ben, j'ai été manipulée, j'ai été aussi ben, la manipulatrice, quoi. Et je me suis rendu compte, ben, quand tu étais manipulatrice, toi. Je m'en suis rendu compte parce que c'était léger. Parce que... C'est vraiment une manipulation légère. Parce qu'aujourd'hui, responsable de groupe de réveil, le passé, 12 de la gloire. Donc, c'est passé, et là, c'est tes membres vont découvrir en fait la respo. Mais c'est le passé, il n'y a rien. Les choses anciennes sont passées. Et vraiment, je l'ai appris en étant dans le ministère. Quoi, Bah, au final, mais c'était léger, mais c'était, vrai, c'était de la manipulation quand même. Mais j'ai aussi été de manipuler, mais d'une manière, d'un degré encore plus fort. Quoi, donc, Bon, il y a des choses qui vont sortir ici. C'est ça. Hein? Moi-même, qui suis sa responsable, il y a des trucs que je ne savais pas. Ça va rester entre nous. Ouais. Ne dis à personne. Juste 1 million de vues. C'est ça. On veut juste ça. Ok, et après, à côté de moi, il y a encore... Kate, je dis encore, mais non, en fait, toi, tu n'as jamais été sur les Boss Ladies, mais tu as été sur un plateau d'Évangile TV, c'était Ils vécurent heureux, parce que tu es mariée et que tu, et que tu es heureuse. Oui. Alors, est-ce que ça dure, le Ils vécurent heureux? Ah oui, non, vraiment. Après, il y a vraiment du travail à faire. Non, c'est la technique. À qui, hein? Ah oui, pas d'acquis, hein. Non,
Dans les t-shirts. Ça, c'était un message pour Stu. Stu! Je rigole. Ouais, ouais. Donc, ouais, t'es heureuse, mais il y a encore du travail à faire. Ah oui, oui. Mais... Dans quoi le mariage, c'est pas quelque chose qui est acquis. J'espère que tu manipules pas ton mari. On verra, non. Ah, ouais. Parce que beaucoup de gens disent que les femmes manipulent leur mari. Ah oui. Non, mais après. Je pense que les c'est femmes. C'est des petites choses. Non, mais les femmes manipulent leur mari quand même. Les émotions, un peu. Ouais. Obtenir ouais. ce qu'ils veulent. Non, ouais, ouais. Non, entre pense... nous, vas-y, dis la vérité, franchement. Oui, tu sais, quand tu veux avoir des petites choses. Voilà. Oui, tu peux me faire un petit massage, je suis fatiguée. J'ai l'impression que c'est un don que Dieu a donné à la femme. Oh, ou bien, tu sais, tu veux dire, est-ce que tu peux faire la cuisine? Il fait cuisine très très bien. Hein. Amen. Ouh, un bon point pour ton mari. Et il cherche, hein. Il cherche encore plus à découvrir d'autres choses. Il me dit, okay. Tiens, tu veux goûter, tu vois. Donc, parfois, je profite de l'occasion, tu vois. Genre... Vas-y, tu peux cuisiner. Pasteur gentil devrait passer un peu de temps avec Schwartz. Il faut qu'il s'imprègne. Devrait passer un peu plus de temps ensemble. Super, du coup, ben, pour ce thème-là, est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te parle? Ah oui, carrément, parce que c'est vrai, comme disait Grace Melody, c'est très subtil, en fait, on s'en rend pas compte. Lorsqu'on commence à tomber dedans, c'est pour ça que ça demande quand même... du discernement quand même par rapport à ça. Et même dans l'autre sens. Ouais, c'est vrai. Du discernement quand c'est l'autre qui te manipule et voilà. Du discernement quand c'est toi. Ouais, voilà. Ça demande un peu plus de... Comment dire ça un peu plus d'intimité, quoi, avec Dieu, justement. Pour justement se rendre compte si, justement, dans notre comportement, si... on est justement en train d'être manipulateur, en fait. Oui, waouh. Je suis vraiment trop, trop contente. En tout cas, merci beaucoup d'être là, Kate. Et on a avec nous Inès de la gloire. Merci, Pasteur, encore pour l'opportunité. Avec plaisir. Voici sur les plateaux. Deux fois. C'est comme Grace Mélodie. Non, merci, Pasteur, encore pour l'opportunité. Avec plaisir. Vraiment, comme elles ont dit, en fait, on a besoin d'en apprendre plus sur ce sujet parce que ça concerne tout le monde. Et même si on ne le voit pas, ça concerne tout le monde. Et j'aimerais vraiment, en fait, qu'on puisse plus en apprendre au travers de cette émission parce qu'il faut qu'on marche dans les principes du royaume de Dieu. Amen. Et la manipulation, pour moi, c'est pas de Dieu. Alors, c'est pas de Dieu. Voilà. Même quand c'est une femme qui essaye de... Oh, c'est pas de Dieu. Moi, j'étais convaincue que c'était un truc que Dieu avait donné à la femme, genre, tu vois. Ouais, non, mais parce qu'à un moment donné... Il faut se défendre. Il faut avoir ses cartes. C'est ça. Bon, non, on rigole, hein. Non, mais... Vous me prenez pour après, ils vont dire Pasteur Grace, dans cette émission, deux les boss ladies, elle encourage les femmes à manipuler leur mari. Ben non. J'ai pas dit ça, bon. Je rigole. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, Inès, sois la bienvenue. Et puis, voilà, comme vous savez, Inès, Grace Melody, vous les avez déjà vues sur ce plateau, les boss ladies, et vous les avez déjà vues sur d'autres émissions, comme Worship Bomb, il y a quoi d'autre? Elle a touché Et toi aussi, c'est pareil. Fraîche aussi, tu as fait fraîche, non? Non. Ah, t'as pas fait fraîche? Pas encore. Bon, bah, on vient de lancer l'annonce, là. La candidature pour ceux qui organisent l'émission fraîche, hein. Vous avez une candidate chroniqueuse ici. Mais ouais, voilà, on vous voit toutes les deux déjà sur plusieurs émissions d'Évangile TV parce que vous êtes aussi des personnes qui travaillent ici à Évangile TV. Et donc, ben, soyez les bienvenues. Hein. Merci beaucoup. Amen. Et bien, juste à côté de moi, comme on a présenté tout à l'heure, Millette. Ok. Mylène et Kate, parce que j'ai Millette et Kane. Mylène et Kate, qui sont des personnes très très proches de moi, qui sont mes douze. Pour ceux qui ne connaissent pas en fait cet aspect de notre église, de l'église ACER Paris, nous sommes des responsables de réseaux dans lequel il y a des membres en fait qui apprennent à devenir des disciples pour Christ. Et donc Kate et Mylène sont mes disciples, n'est-ce pas? Les disciples qui sont près de moi pour ressembler à Christ, voilà, qui sont donc appelés ici
D12, qui sont des responsables en fait de GR. Et d'ailleurs, vous aussi, vous êtes des responsables de GR. C'est juste que vous n'êtes pas en dessous de moi directement. Et donc, franchement, cette émission sera intéressante parce que vous allez partager des points de vue, votre point de vue en tant que jeune femme, mais aussi en tant que femme en Christ. Parce que, ayant ces responsabilités dans l'Église, ben, vous êtes aussi des ministres en fait de l'Évangile. Et donc, ça va être très, très intéressant. Yes. Ok, manipulation. Est-ce que vous vous êtes déjà fait manipuler? Oui. Mm-hmm. Ok, qui commence? Ah, Inès, vas-y. Le balai du verre. Est-ce que je me suis déjà fait manipuler? Je pense quand même que oui. Comme moi, j'étais dans mon enfance, j'étais quelqu'un de très, très gentil, en fait. C'est-à-dire que... savoir dire non parfois, je ne savais pas, mais quand même j'avais ce discernement là. Ça veut dire que j'avais jamais de soucis de je sais en fait qui était à côté de moi quand même, et vraiment je suis bénie du pour ça, mais quand même je pense que oui hein. Je pense quand même que Et quelqu'un d'autre? Moi. Vas-y, grâce. Trop de fois. Déjà, dans le monde du travail, je me suis vraiment tout à fait manipulée. Y avait une période où je travaillais dans un cabinet d'avocats. Et là-bas, c'est vraiment un milieu très... C'est très serré, c'est très aussi méchant, entre guillemets, parce que c'est un peu la compétition. Et mon employeur, il mettait vraiment la pression dans le sens où des fois, il me sortait des phrases du style « Ouais, si tu fais pas ça et tout, ton salaire, ça va sauter, tu vas te faire virer et tout, tu vas faire des heures sup, nanana, je vais faire sauter tes vacances. » Il faisait que des trucs comme ça, ce qui fait qu'en fait, j'étais toujours dans la pression. T'étais stressée. J'avais tout le temps peur de me faire renvoyer. Enfin, en fait, tu travailles, mais t'étais dans un climat où... Dico, tu es bien à Evangile TV, hein. Ah, mais là, ça va. Merci, Apôtre. Merci, Sabrina. Merci pour l'opportunité. Non, vraiment, et c'est vraiment... C'est très malsain parce que du coup, t'es pas bien, t'es même pas productif parce que ça te casse même dans qui tu es, dans ta personnalité. Et après, manipulation aussi externe, enfin dans le sens dans les relations, où des fois tu peux être proche de certaines personnes qui vont aussi jouer de cette proximité pour te manipuler dans le sens où ils vont dire « Ouais, si tu... » J'en avais une qui me sortait des phrases du style « Ouais, si tu me dis pas ça, si tu me dis pas la vérité, je te parle plus et tout. » Et là, je me dis « Mais sœur, c'est quoi ? Tu veux quoi de plus, pas ?» Enfin, c'est des choses comme ça, je me dis « Enfin, si la personne, tu l'estimes vraiment, il y a des choses qui ne doivent pas sortir de ta bouche, en fait. Voilà, exemple de manipulation. Ok, merci. Et toi, Kate? Ah oui, alors pour moi, c'était il y a quelques années, en fait, c'était en groupe d'amis. Donc en effet, c'est vrai que dans les relations, faire attention en fait. Les personnes avec qui on connaît bien, ceux qu'on connaît pas encore assez. Et justement, je me rappelle, il y avait une soirée. Enfin, j'étais pas encore en Christ, mais c'était une soirée. J'étais pas en Christ, j'étais pas resco. J'avais le droit, guys. Mais comme quoi, en fait, même à cette époque-là, j'ai quand même eu un certain discernement, en fait. Il faut quand même prendre le temps de se poser et réfléchir, en fait, aux personnes à qui on parle. Et justement, durant cette soirée-là, donc on était entre amis, on parlait normalement et tout ça. Et à un moment donné, il y a une discussion qui a commencé, ils ont commencé à critiquer une personne. Et cette personne-là, c'était une amie proche à moi, en fait. Et je m'étais dit, en fait, à ce moment-là, je ne me suis pas... Comment dire ça ? J'ai juste été attentive à ce qu'ils disaient. Mais en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de m'engrainer dedans, en fait. C'est-à-dire que... bon, je préférais rien dire, mais j'étais tout le temps en mode... approbation, parce que j'étais là, ah oui, en effet. Sauf que, à un moment donné, après cette soirée-là, un jour, justement, mon amie en question, je ne sais pas comment, elle m'a appelée, elle m'a dit, oui, à ce qui paraît, tu as... Parce que, étant avec eux à cette soirée, c'est comme si tu participais, ouais, finalement, ça. Oui. Exactement, donc elle m'a dit, à ce qui paraît, tu as dit certaines choses sur moi. Sauf que, comme je vous disais, j'étais juste en mode approbation. Tu acquiesçais. Voilà. Parce que je disais, ouais, mais je disais rien par rapport à mon amie parce que je la connaissais très bien. Et là, j'ai été très honnête avec elle. Et c'est pour ça que, conseil, hein, vraiment, quand vous savez qui sont votre entourage, prenez le temps aussi de pas
prendre des décisions tout de suite, mais prenez le temps de réfléchir et parler avec la personne concernée, en fait. Et justement, donc, avec mon amie, on a discuté, donc j'ai été très honnête avec elle, je lui ai dit, écoute, j'étais bien cette soirée. Ils ont dit des choses, il y avait certaines choses, en effet, qui pouvaient être peut-être vraies, mais d'abord, dis-moi quelle est ta version, en fait. Et là, elle a commencé à pleurer et tout ça. Et moi, je lui ai dit, j'ai pas été de leur côté. Là, je vois quelle est ta version à toi. Et là, elle a pleuré parce qu'elle s'est dit. Mais en fait, c'est là où je vois qui est ma vraie amie, en fait. Puisque finalement, tu prends le temps de connaître ma version. Et que et là, j'ai aussi rendu compte qu'en effet, ces personnes-là ont essayé de manipuler même limite me couper de mon amitié avec elle, en fait. Voilà. Oh, waouh. Quelle expérience, hein, mais je pense que je crois que ça nous arrive à tout un chacun. Ouais, on en parlera un peu tout à l'heure. Ouais. Et donc, toi, Mylène. Donc, moi, c'est arrivé parce que je suis partie très jeune de chez mes parents pour mes études, quoi. Donc, j'étais souvent dans une autre île, d'abord dans une autre île et après dans un autre département. Donc, du coup, j'étais un peu jeune et un peu isolée, quoi. Donc, c'est surtout passé dans des relations amicales et aussi amoureuses. Et du coup, c'est passé plus par des paroles dévalorisantes, parce que ces personnes se sentaient, à dire, pas bien. Et ensuite, ces personnes savaient que, j'étais un peu seule. Et du coup, s'en servaient. Et justement, le fait que j'ai ce lien familial avec elles, moi aussi, intégré dans leur famille pour que je vois que ils étaient proches de leur famille et pas moi. Et du coup, ça m'a vraiment permis après de voir que ces personnes étaient toxiques et que j'ai carrément coupé, même si je les côtoyais dans ma vie quotidienne, parce que certains étaient toujours dans ma classe pour mes études, etc. Mais j'ai vraiment coupé court au fait de ne même plus leur adresser la parole. Quoi. Parce que c'était vraiment des personnes qui me disaient pour mon bien, quoi, c'était des remarques constructives, et en fait, ça n'était pas, quoi. Et après, on en a reparlé plus tard, il m'a dit finalement que c'était vraiment parce que je me sentais mal. Je voulais finalement que tu te sentes mal, et que comme toi, tu avais une situation familiale compliquée, j'ai un peu plus appuyé sur toi. Waouh, c'est méchant. C'est méchant, mais au moins, quand même, il a pris... il s'en est repenti. Et c'est important. Et puis, justement, en fait, pour partir de cette partie-là et toi, de ton histoire, j'aimerais qu'on puisse parler, vraiment de ce sujet. Et on va détailler, en fait, point par point, des éléments. Et je vais expliquer pourquoi est-ce que ce sujet est important. Parce que peut-être que quelqu'un regarde cette émission et se dit « Ouais, mais moi, je veux savoir comment on fait pour faire du business. Moi, je veux savoir comment on fait pour gagner de l'argent. Moi, je veux savoir comment on fait pour avoir telle chose, telle autre. » Et je disais au début de cette émission que c'est important. En tout cas, le cœur même de Les Boss Ladies, en tout cas, mon cœur personnel en lançant en fait Les Boss Ladies, c'est que on puisse d'abord être avant d'avoir. Ouais. Parce que moi, j'ai la foi et j'ai la conviction qu'en fait, on va tout avoir sur cette terre. Yes. J'ai la conviction que Dieu a tout prévu pour nous. J'ai la conviction que celle qui dit « Ok, je vais obtenir telle faveur, je vais obtenir telle chose, je vais réussir telle chose dans ma vie », j'ai la conviction certaine qu'elle va réussir parce que si elle est convaincue, si elle a la vision, si elle travaille pour sa vision, elle va réussir. Oui. Mais il y a un « mais ». Et le mais, c'est l'objet même de toutes, on va dire, de tous les épisodes, de toutes les émissions, les boss se disent. Le mais, c'est ces petites choses qui s'infiltrent finalement dans notre destinée et qui viennent d'abord pour nous détruire, nous, et on ne se rend pas compte que ça finit par détruire finalement tout ce qu'on a construit derrière. Par exemple, la manipulation, dans un sens comme dans l'autre, va d'abord commencer par détruire les fruits de l'esprit. La Bible dit « Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. » Et en fait, il y a certaines choses qui s'infiltrent qui vont d'abord finir par détruire les choses qu'il y a dans le cœur. Et finalement, comme c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle et que les actions que tu fais viennent aussi de ton cœur, finalement, même tout ce que tu vas produire va être toxique. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Oui. Parce que si ce que tu as en toi est toxique, ce que tu vas produire sera toxique. Même si c'est une entreprise qui va gagner des millions d'euros, en fait. Ça va être toxique. Ce n'est pas parce que quelqu'un gagne beaucoup d'argent que ça veut dire que selon Dieu, il a réussi ou il porte du fruit, en fait, selon Dieu. Et vraiment, on veut revenir au cœur de Dieu.
et on veut être des boss ladies, oui, mais amen. Selon Dieu, amen. Amen. Selon Dieu, amen. Selon Dieu, en se séparant totalement en fait de tout ce qui est vil, de tout ce qui est vil, en se séparant de tout ce qui est vilain, voilà. Et la manipulation, c'est vilain. Et on va parler justement de la manipulation affective, le chantage. Ah, le chantage affectif. Moi, j'ai fait du chantage affectif quand j'étais... Hein, je pense que j'ai fait du chantage affectif. Je pense que même sans parfois m'en rendre compte, en fait, parce c'est que... C'est léger des fois. Ouais, on s'en rend pas compte forcément. Mmh. Et tu vois, surtout quand tu es, même quand tu es ministre de l'évangile et que, en fait, tu es en train de t'occuper de personnes, tu as tellement envie qu'ils fassent les choses bien que finalement, parfois, en fait, tu finis par les contrôler. Quoi. Les contrôler sans te dire que tu vas les manipuler parce que tu te dis pas ça au départ. Tu te dis, mais j'ai vraiment envie qu'ils réussissent, j'ai vraiment envie qu'ils y arrivent. Et au final, certaines personnes, en fait, se retrouvent contraintes de son choix. C'est-à-dire qu'elles se disent, bon, on m'a dit de faire, je fais. Mais leur transformation, leur changement ne dure pas longtemps. Ne dure pas longtemps. Quand, si le changement vient de moi, si je veux que toi, tu sois transformé, mais que la transformation vient d'une pression que je te mets à toi, ça sera même pas si permanent. Ça sera pas permanent. Ça ne sera pas permanent. Ça... Donc, soit le fruit d'une conviction quoi, personnelle et que les étapes aient été faites par sa volonté. Pas dans l'émotion. Voilà. Vraiment pas pour des choses qui seront juste pour un petit moment. Et que pour que ça puisse durer, il faut vraiment que le cheminement ait été fait par elle et que chaque étape, elle évolue par elle-même. Ouais. Mais justement, quand on regarde, on compare tous les exemples de manipulation, moi, ce que je constate vraiment, c'est que la manipulation, ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire que quand toi-même tu vis en étant basé sur la peur et en n'ayant pas conscience de qui tu es, en fait, tu vas chercher à manipuler les gens parce que tu as peur soit de les perdre, soit de ne pas avoir quelque chose, soit de ne pas posséder quelque chose que tu n'as pas, soit parce que tu veux avoir que l'autre n'a pas, alors que ça se trouve même tu as déjà, puis tu te dis « Ah, mais un tel, il a ça, moi aussi, je veux ça », alors que Dieu t'a déjà donné, donc pourquoi tu vas les manipuler là-bas, en fait. Et donc, si tu n'as pas véritablement été assis dans ton identité, tu vas tout le temps chercher à manipuler. Parce qu'en fait, la peur, ça vient du diable, ça vient pas de Dieu. C'est vrai que, souvent, on se dit, bon, je vais faire ça, pour arriver à mes fins. Mais en fait, chacun a son pouvoir. Et ça m'édifie ce que je dis par rapport à l'identité, parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas, en fait, quel est ton couloir, ce que Dieu t'appelle à faire. Et en fait, Dieu nous veut premier de la course, oui. Mais en fait, on est le seul dans sa course. C'est ça. C'est trop bien. C'est pas j'aime trop ce qu'elle dit. C'est pas la course avec tout le monde. C'est j'aime beaucoup ce que tu dis. Et souvent, dans la Bible, c'est écrit que Dieu a fait de nous un seul corps, quoi, et que chacun doit porter l'évangile avec chacune de nos ressources, quoi. Et vraiment se dire qu'il ne faut pas se comparer, quoi. Une personne pourra faire ça, l'autre personne pourra être douée dans ce domaine, quoi. C'est vraiment le fait qu'on s'assemble, en fait, qui nous portera, quoi. Amen. C'est vraiment pas le but, c'est vraiment pas qu'on sache tout faire et que tout le monde sache le faire de la même manière et qu'au final, on se tire dans les pattes en faisant la même chose, quoi. Le fait, c'est vraiment qu'on soit complémentaire et qu'on puisse être vraiment efficace pour Dieu. Dans la façon dont vous décrivez, en fait, le chantage affectif, j'entends ce que tu as dit tout à l'heure, la peur, mais j'entends aussi dans ce que Inès a dit et ce que Mylène dit, il y a aussi l'esprit de compétition. Et la culpabilité aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Pour moi, c'est le fait que... En insistant pour qu'une personne fasse quelque chose et qu'elle refuserait, elle continue à refuser, en fait, appuyer vraiment sur ses points faibles pour faire comprendre à la personne que si tu ne le fais pas, en fait, ça va causer quelque chose chez moi, ou bien il va se sentir coupable parce qu'il va se passer ça ou telle chose. Et vraiment, en fait, que cette personne finisse par céder parce que le sentiment de culpabilité sera trop fort et que l'obligation va l'emporter, quoi, sur ce qu'il voulait à la base et que ce ne sera pas son choix. Parce qu'il faut le dire, cette plateforme-là, elle est dédiée à des boss ladies. C'est-à-dire, boss lady, c'est juste une patronne, un responsable, d'accord? C'est quelqu'un qui est responsable, qui est chef, qui se retrouve à la tête de quelque chose. Et j'ai l'impression que, en fait, la manipulation, le chantage affectif et tout ce que vous citez ici, en fait, j'ai l'impression que ça affecte beaucoup de gens, en fait. Ça affecte beaucoup de gens qui sont à la tête
voyez, qui sont déjà en train, qui ont déjà une position. Mmh. Parce que, en fait, ils veulent du bien, finalement. Je veux du bien à mon équipe, mmh, etc. Mais on va faire les choses d'une façon. Je sais pas si Kate, tu te rappelles, mais on va taire les noms. En fait, pour ceux qui ne savent pas, Kate, ici, je racontais un petit peu l'histoire. Kate, ici, ça fait des années qu'on se connaît, elle et moi. Lorsqu'on a commencé à se fréquenter, c'était au travail. J'étais déjà pasteur stagiaire, mais je n'étais pas encore pasteur et je n'étais même pas encore mariée. Non, j'étais responsable de je ne sais pas quel département, mais je n'étais pas mariée, je n'étais pas pasteur, etc. Mais vous voyez, en fait, au travail, je prêchais l'évangile. Je n'avais pas besoin d'une casquette pour prêcher l'évangile. Et voici le fruit. Voilà le fruit. Voilà le fruit. Et je bénis le Seigneur pour la vie de Kate. Mais Kate et moi, on a travaillé ensemble sur le même poste. Et je ne sais pas si tu te rappelles, on avait quand même une chef. Est-ce que tu te rappelles de la chef? On avait une chef, mais elle... Non, mais... Et c'était terrible. Je veux dire, en fait, la position qu'elle avait de chef, c'était une position où, pour moi, elle tiraillait l'équipe, en fait. Elle nous tyrannisait. C'était la tyrannie. C'est ça. Pour dire que c'est elle la boss. Et tout ce qu'elle... Tout ce que, en fait, faut faire vraiment selon elle, en fait. Et du coup, on n'a même pas notre mot à dire, quoi, en fait. Du coup, on est obligé de dire, de se faire petit, de se dire, ok, d'accord. Ouais. En fait, et je pense qu'il y avait quand même un... Moi, j'ai toujours pensé ça, parce qu'on en a parlé. Bon, écoutez, c'est pas pour faire un petit genre, hein. Mais je vous dis comment on en parlait à l'époque. C'était des années derrière nous. Mais comment on en parlait, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que celle qui était notre chef, elle était moins diplômée que nous tous, en fait. Elle était moins diplômée que nous tous. Et du coup, on a eu l'impression, mais nous, on mettait pas ça en avant. Et en fait, on l'a su. Comment on l'a su? Parce qu'un collègue... dans le bâtiment est passé par là et nous a dit mais en fait ne vous laissez pas faire, vous savez que vous êtes plus diplômée qu'elle et tout, bon il voulait semer un peu de la zizanie dans nos têtes, c'est un travail, c'est toujours comme ça et en fait elle est venue et a dit mais vous savez vous êtes plus diplômée qu'elle et tout mais ce que moi j'avais compris derrière ça, c'est que cette femme était je pensais qu'elle était blessée et qu'elle n'était pas sûre d'elle. Et c'est pour cela qu'elle avait besoin de nous tyranniser et d'être tyrannique et de tout le temps nous rappeler que c'est elle le chef, c'est elle la patronne, c'est elle le boss, c'est elle. Et au final, je trouvais que les gens étaient hypocrites avec elle, en fait. C'est vrai, c'est ça. Les gens étaient hypocrites avec elle. Exactement, c'est ça. Pour être bien placée, pour tirer des opportunités, quoi. Parce que justement, ça se trouve, elle-même, elle savait qu'elle n'était pas diplômée. Et du coup, elle se disait, bon, si je ne montre pas que je suis là et tout, les gens vont me marcher dessus. Alors que ça se trouve, elle avait juste à développer des compétences sur le terrain ou être humble simplement. Et les gens allaient forcément adhérer. Mais ça, c'est encore lié à manque d'assurance. Oui, la peur. Et la peur qui te pousse à faire des choses qui même vont avoir un impact négatif sur les autres. Oui. Ben, du coup, ça a eu un impact négatif sur nous tous. Et nous tous, on est partis. Un par un, on a tous quitté ce poste. Mais après, c'est pas à cause d'elle qu'on est parti. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'on aspirait à autre chose aussi. Voilà. C'est parce que la personne, elle est. Elle a une position un peu tyrannique et donc du coup on a peur d'elle, on part. Non, c'est pas ça. On aspirait à autre chose. Voilà. Et puis c'est vrai que. Quand certaines personnes disaient « Ah, mais vous êtes plus diplômée », ça se met quand même quelque chose. En fait, moi, ce que ça se met en moi, c'était « Mais c'est vrai, grâce, non, tu mérites mieux. » C'est ça, en fait. Je me disais « Tu mérites mieux, tu devrais faire autre chose. » Mais c'est vrai que, bon, on ne s'est jamais rebellé. Hein. Enfin, je pense qu'il y en a quand même qui l'ont fait dans l'équipe. Les garçons, je me rappelle. Les garçons se sont rebellés. Les garçons, il la traitait de tous les noms. Les garçons, ils parlaient très très mal, mais c'était pas notre cas, voyez-vous. Alléluia. Nous étions déjà sanctifiés, merci Seigneur. Alléluia. Non, mais enfin, voilà, là, c'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui se retrouve, en fait, à un poste d'autorité, de position, et qui finit par... là, dans la manipulation, moi, je vois beaucoup les menaces. Les menaces, parce qu'il y a aussi cet aspect, il y a l'aspect du chantage affectif, du « ouais, mais non, tu vois le côté où tu boudes un peu, tu es un peu capricieux et tout, ça c'est le chantage affectif, ok ? Le côté où tu fais ressortir, on va dire, une émotion
très négatif. C'est-à-dire que si la personne ne fait pas la chose pour toi, t'as un visage... toxique. Ouais, c'est toxique. Les conséquences, il y a toujours des conséquences bizarres où tu vas perdre quelque chose, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela. Ouais. Au final, c'est jouer sur les émotions, bah, en fait, finalement. Et c'est l'instabilité, parce que ça veut dire que si tu ne fais pas ça, bah, tu vas perdre quelque chose, alors que tu n'as pas besoin de dire ça pour jouer, en fait, sur les mots, enfin, sur la personne. Mmh. Mais est-ce que vous pensez que quand on est en mode chantage affectif, est-ce que vous pensez qu'on se rend forcément compte de l'impact qu'on a sur l'autre? Moi, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que... Enfin, je trouve quand même que des fois, la manipulation, c'est lié aux blessures intérieures. Et des fois, tu peux être blessé sans te rendre compte. C'est-à-dire que parce que dans ton enfance, on t'a délaissé, on t'a abandonné, etc. En fait, tu vas reproduire le même système, le même schéma. Et tu vas être même dans l'optique où c'est normal. Parce que tu as grandi comme ça, on t'a toujours traité comme ça. Donc, tu vas faire ça aux autres. Alors que, en fait, ton système de pensée n'a pas été renouvelé. Et dans ce cas-là, je dirais que la personne n'est pas forcément consciente. Après, c'est à la lumière de la parole que tu vas t'en rendre compte. Et après, il y a des personnes qui aussi le font exprès, qui jouent de ça. Moi, je pense que la personne n'est pas consciente parce qu'elle est égoïste et justement pense à plutôt elle et le fait qu'elle a été blessée, etc., qu'elle ne connaît pas son identité. Et donc, comme la manipulation n'est pas de Dieu, il n'y a pas forcément, il n'y a vraiment pas l'amour dedans. Donc, non, la personne ne peut pas penser, la personne ne peut pas penser à l'autre parce que la personne n'est pas dans l'amour. Parce qu'au final, moi, quand j'ai su que c'était de la manipulation, c'est quand j'ai été éduquée à connaître les différentes notions, par exemple à la CER, j'ai vraiment découvert que le chantage affectif, c'était léger ce que je faisais, mais c'en était quand même, quoi. C'est vraiment en étant éduquée que j'ai découvert que finalement, ce n'était pas de Dieu, et qu'au final, en pensant donner aux autres, en fait, je pensais qu'à moi, quoi. Parce que ce que je donnais aux autres, je l'attendais des autres. Et au final, je me suis rendu compte que je le donnais sincèrement. Elle appuyait sur le bouton. En fait, je le donnais aux autres sincèrement. C'était pas quelque chose où je faisais par intérêt. Mais pour moi, je m'attendais à ce que les personnes aussi soient comme moi, quoi. Alors que les personnes n'ont pas la même façon d'aimer, quoi. Le même langage. C'est un piège, guys. Ça, c'est un piège qu'on voit même dans... Même à l'église, en fait, chez les chrétiens, même chez les gens qui sont déjà dans le ministère en vérité, tu vois, parce que tu t'exprimes d'une certaine façon dans ton langage d'amour et tu t'attends à ce que les autres, en fait, fassent la même chose. Et quand les autres ne font pas, c'est le drame, en fait. Et ça, c'est de la manipulation, en fait. Je pense que Dieu, quand même, nous appelle à avoir... En fait, je pense que l'équilibre, c'est non seulement de connaître votre propre langage d'amour, mais de connaître aussi le langage d'amour des autres. C'est important parce que ça vous donne de l'équilibre de vous dire « Ok, je t'offre ce portable, mais ça ne veut pas dire que demain, tu dois m'offrir un portable, en fait. » Pas nécessairement, en tout cas. Merci beaucoup pour cet exemple. C'était vraiment très, très profond. Et donc, le chantage affectif, c'est toutes ces choses qu'on fait. Et faut savoir que dans le chantage affectif, l'autre se sent toujours un peu mal. Ouais. Vraiment. C'est-à-dire que même si tu obtiens ce que tu veux, l'autre se sent toujours mal. Maintenant, moi, je pose quand même cette question parce que j'ai l'impression que c'est le cas. Que quand tu obtiens ce que tu veux, il y a quand même une forme de culpabilité derrière toi après. Est-ce que tu n'es pas conscient que, je sais pas, que tu as un peu forcé la main? Oui, parce que tu te dis forcément que si je n'avais pas fait ça, la personne, elle l'aurait fait. Et là, il y a quand même ce déséquilibre. C'est-à-dire que tu as un peu... Alors, on est tous conscients? Du coup, oui. Non, on est conscients. On est conscients quand si tu m'avais pas dit ouais mais pas sa grâce si tu me donnes pas un GR je vais quitter l'église. Si je ne deviens pas responsable, je quitte l'église. C'est de la manipulation. Clairement. Ou un autre type de manipulation. Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Parlons de ça. Je vois un peu d'eau. Pourquoi c'est de la manipulation? Tu laisses pas le choix. Parce que tu t'appuies en fait sur quelque chose que la personne aussi, un Dieu que la personne croit aussi. Et du coup, tu t'appuies sur cette figure pour asseoir ton idée, quoi. Sur l'autorité de Dieu. Voilà, quoi. Oui, tu joues sur un point affectif. Son point faible, quoi. Dans le sens où tu sais que la personne, elle,
si tu sais que la sœur, elle aime Dieu, qu'elle est zélée et tout, elle va se dire, oh, mais c'est vrai que... Pourquoi tu dis la sœur? Dis le frère. Parce que dans les églises, on nous fait croire que c'est seulement... Non, faut dire le frère. Il y a aussi des sœurs qui vont dire à des frères, Dieu m'a dit que... Ah, bon. Voilà, dis aussi... Je savais pas que... Donc le frère... Donc le frère, il est à fond, il aime le Seigneur, et toi, tu viens, tu dis, Dieu m'a dit que tu seras mon mari... Bah forcément, le gars il va se dire, bon, là, si Dieu est impliqué, il faut que je m'implique. Mais après, à ce moment-là, faut pas oublier que si c'est que ça le frère ou la sœur, en fait, les deux, si on part vraiment dans l'optique qu'ils sont en Christ, en fait, l'un pourra pas faire sans l'autre, dans le sens où, en fait, tu peux pas forcer la personne pour dire, ouais, ça sera la femme ou l'autre, ça sera le mari, parce que, en fait, quand tu vois, enfin, quand Dieu a créé Adam et Ève, en fait, c'est une même chair, en fait. Mais Adam a fini par dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Il a remis un vrai dictateur. Adam a fini par dire, Seigneur, c'est moi. Sinon, moi là, j'étais dans les champs, j'étais en train de travailler. Oh, tu m'as dit de travailler, mais ma femme, je sais pas ce qu'elle faisait. C'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui a eu la conversation avec le serpent. Mais parce que c'est vrai, je suis d'accord avec toi que. Personne ne peut t'obliger à te marier, même si elle vient te dire que Dieu m'a dit. Mais il y a quand même des gens qui finissent par se marier et quand ça tourne mal, ils disent « Moi, Dieu ne m'avait pas parlé. » Honnêtement. C'est ça, ouais. Et ils finissent par dire « En fait, tu m'as manipulé. » C'est faute de discernement. Mais ça manque de discernement, c'est ça. C'est toi, tu n'avais pas les yeux ouverts. Parce que, juste petite anecdote, c'est vrai que je parle pour ma part avec mon mari. Il t'a manipulé. Non. Mayday. Non, parce que de ce que il a déjà partagé ce témoignage là, en fait, Dieu lui avait parlé que, en fait, il lui a pas dit qui exactement allait être sa femme, mais elle allait être typée asiatique, en fait. Wow. Et quand c'est mis en, quand on s'est rencontrés. Non, parce que lui, il est congolais, du coup, donc bon. Waouh. Il avait une vision, le frère, depuis le Congo. Mais en fait, le truc, c'est que quand on s'est rencontrés, à aucun moment il m'a dit Dieu m'a dit que voilà. En fait, il a été vraiment. Il était sage. Sage, c'est ça. C'est la sagesse, en fait, sage. Et surtout, se dire que, en fait, il connaît pas encore qui je suis, en fait. Est-ce que, quel est aussi mon niveau spiritualité, en fait. Parce que lui, il va dire que, oui, c'est Dieu qui m'a parlé, mais peut-être que moi, je n'ai peut-être pas cette intimité avec Dieu, en fait. Donc, du coup, il a fait, bien sûr, derrière ça, il y a aussi un peu d'évangélisation. Donc, il y a ce travail-là, en fait. Donc, du coup, on ne peut pas, je ne sais pas. Bon, pour moi, c'est juste que, moi, je l'ai su qu'après. Je l'ai su qu'après, une fois qu'on s'était, là où c'était officialisé. Mais il a bien fait. Et c'est ça, en fait. Parce que le but, c'est que vraiment que cette personne ait aussi cette sensation d'elle-même, qu'elle soit pas influencée par ce que tu as reçu, alors que son niveau de révélation n'est pas... Malheureusement, beaucoup se laissent influencer. Et c'est vrai que, bon, pour équilibrer un peu le discours, surtout dans le ministère, il y a beaucoup de jeunes femmes qui se laissent influencer et manipulées du coup par des hommes de Dieu. Bah oui, comme ce sont des hommes de Dieu qui se laissent manipuler par les hommes de Dieu, et comme tu te dis, c'est un homme de Dieu d'abord, premièrement, et puis s'il me dit que Dieu lui a dit, c'est que forcément, d'une manière ou d'une autre, même si je comprends pas tout, c'est que ça va cliquer, hein, à un moment donné, ça va s'imprégner, je sais plus comment on dit en français, cling. Ça semble cling. Voilà. Voilà. Ça va cling. Et donc, en fait, la personne, elle se dit que ça va forcément marcher comme ça. Vous en pensez quoi, vous, de... Parce qu'il y a quand même parfois beaucoup de scandales. Après, moi, je trouve que pour sortir de tout ce qui est manipulation, etc., c'est vraiment de chercher le discernement et aussi le regard des autres. C'est-à-dire que moi, j'ai un exemple où j'étais en relation, parce que la manipulation, c'est toujours dans les relations. J'étais en relation avec une personne et j'avais remarqué que bizarrement, les personnes de mon entourage, elles m'étaient toujours en alerte dans le sens où disaient c'est bizarre ce que cette personne fait et tout, fais attention, ceci, cela. C'est-à-dire que toi, des fois, t'es tellement dans la relation que tu te rends pas compte parce que tu te dis mais non, mais c'est ma copine, c'est mon ami, etc. Tu te dis ah, mais non, mais en plus après, je vais le perdre et tout. Alors que non, des fois, les autres aussi ont le regard sur cette situation, ils peuvent t'aider à prendre du recul. Et dans ces cas-là, si tu remarques que certaines personnes te.
font monter des points à ce moment-là. Très bien. Se dire, ok, on m'a dit ça, ça, ça. Mmh. Est-ce que si j'enlève même le côté relationnel, etc., est-ce que ça, c'est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que ça, très c'est bien. Sain? Est-ce que ça, c'est cohérent? Et après, ne pas avoir peur aussi d'être radical, parce que des fois, dans les relations, je suis désolée. Non, il faut être... C'est pas des fois. Dans les relations, il faut être radical. Tu sais, que ce soit le côté... que ce soit en amour, en relation, en amitié ou en business, il faut être super radical en fait. Parce que parfois, quand tu n'es pas radical, par exemple en business, tu peux perdre beaucoup d'argent parce que en fait, tu as juste laissé les mauvaises personnes gérer tes choses. Clairement, moi j'ai plein d'exemples comme ça de ouais, mais en fait, tu as laissé la, tu donnes en fait un emploi concrètement à quelqu'un qui ne travaille pas, qui vient pas, qui ne se pointe pas au travail, qui fait pas la chose que tu dois faire, mais qui va te dire oui, mais oh mais j'aime la vision où j'étais là au début où j'étais en fait c'est pas évident du tout et c'est là où la position même de CEO, de responsable, de chef ou de femme pasteur, bref, même de ministre en fait ou de l'évangile où tu as des responsabilités, c'est super dur parce que il faut que tu aies du discernement pour pas te laisser avoir et apprendre à prendre des décisions en fait radicales. Malheureusement, tu dois prendre la décision de façon radicale et puis assumer les conséquences. Et tu le disais cette semaine que ben, pour tous les domaines dans notre vie, il faut vraiment se détacher émotionnellement en fait pour pouvoir juger cette personne parce que souvent les émotions, l'amour qu'on porte aux personnes fait que ben, au travail, on peut donner quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas forcément ou quelqu'un qui n'est pas fiable, on va dire. Mais vraiment pouvoir se détacher émotionnellement, pouvoir juger et voir vraiment les capacités de cette personne en face. Quoi. C'est vraiment comme ça qu'on pourra garder nos relations, mais aussi garder tous les domaines de notre vie leur place. Quoi. Très bien. Ok, on va avancer maintenant. La manipulation au travers des mensonges et de l'exagération. Les filles, la première fois que j'ai entendu parler du péché de l'exagération, j'étais adolescente et c'était l'apôtre qui parlait. Je ne savais pas que l'exagération était un péché. Je vous assure, c'est l'apôtre qui disait, il parlait en fait, il parlait des péchés de la bouche. Et donc, il a parlé du mensonge. Et ensuite, il a parlé de l'exagération en disant que l'exagération était un péché. Moi, je me suis dit, waouh, mais moi, j'exagère beaucoup. Je suis pécheresse. Mais parce que, en plus, tu vois, quand on prend des gens qui ont un tempérament très solaire, genre moi un peu, tu vois, je vais être là, je dis, waouh, ta coupe, oh là là! Alors que je pourrais juste dire, oui, tu es jolie, tu vois, sans exagérer. Sans mousser la personne, quoi. Sans exagérer, parce que la personne n'est pas non plus splendide, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du mensonge, du péché de l'exagération? Ce péché que j'ai découvert un peu tard. Malheureusement. J'avais su. Bah, c'est lié, hein, franchement, l'exagération, le mensonge. C'est lié parce que, encore une fois, tu joues sur les émotions. Moi, je suis désolée. Moi, j'ai encore un exemple comme ça de une personne encore... qui voulait me retourner dans son sens et tout, et comme elle voyait que j'étais pas réactive, elle s'est dit je vais passer à une autre technique. Et là elle a commencé à dire il y a quelque chose là, c'est urgent et tout, réponds et tout, j'ai besoin de toi. Et là du coup je me dis ok, je réponds, et en fait c'était juste... Non mais surtout que, attends, fais une pause, surtout qu'avec toi, les urgences c'est compliqué. Grâce Mélodie et urgence, je sais pas, c'est deux mots qui vont pas ensemble. Parce que je suis très. Elle est très à son rythme. Je sais pas si je comprends du coup la personne qui a dû peut-être te mentir. Je sais pas. Est-ce que c'était pas nécessaire? Non, c'était inutile. Ouais, bref, reprends ton histoire. Et du coup, quand j'ai réagi, en fait, je me suis rendu compte que la personne en fait c'était juste pour parvenir à ses fins, quoi. Ouais. Et en fait, tout ça pour ça, c'est du mensonge. Et c'est encore une fois la manipulation. Donc c'est lié, c'est vraiment un péché en fait. Et là, il y a aussi ce côté où peut-être qu'on va vraiment encourager. Et puis moi, je dirais que, en fait, c'est le pasteur Billy Graham qui dit, pasteur, l'évangéliste Billy Graham qui disait, c'est bizarre de dire ça, qui dit que en fait, aucun d'entre nous n'a de pouvoir en fait sur le péché. Si ce n'est par Jésus.
Et là, moi, j'aimerais vraiment encourager, en fait, toutes ces femmes qui sentent, qui se rendent compte que, purée, mais je fais des petites choses qui sont de l'ordre de la manipulation. Mmh. C'est vrai que je mens beaucoup, j'exagère un peu parfois, des fois, tout le temps. Voilà. Je dis, par exemple, voilà, j'ai croisé des gens et je me dis, oh, c'était des géants. Ils étaient géants, c'est un truc de fou. Waouh, là, là. Mais sinon, tout le monde a dit non, je vais pas y aller. Finalement, il y en a combien de personnes? Ah, on avait qu'une, finalement. C'est vrai. Oh, purée. Oh, ce truc-là, ça m'énerve. Oh là là. On me l'a déjà fait, celle-là, j'aime pas. Purée, j'aime pas. Quand on me dit, oui, non, mais non, mais il y en a beaucoup qui disent que da-da-da-da-da. Et je pose la question, du coup. C'était qui? Non, je dis, on a combien? Ouais, mais non, je dis, ok, c'est qui? Elle me dit, bah, c'est moi et... Je dis, et toi et... C'est beaucoup. Bon, j'ai compris que là où deux ou trois sont assemblés, son nom Dieu est présent, mais quand même. C'est trop, là. C'est trop. Mais ce qui est terrible, c'est surtout, les personnes, ils vont dire aussi... On m'a dit, on. En fait, c'est qui toi. Le on, c'est toi en c'est fait. C'est toi qui as dit ça. Donc là, c'est, tu te caches en fait. C'est, tu assumes on, pas. Pronom indéfini, c'est des menteurs. Indéfini, c'est un pronom indéfini. Utilisé pour la ruse. Voilà. C'est ça. Pour mentir. Mais c'est terrible en fait. J'utilise toujours ce mot-là juste pour en fait ne pas en fait. Assumer ses responsabilités en fait. Parce que le manque, comment dire, le fait de ne pas assumer. Nous fait quand même parfois tomber dans le mensonge. Parce que parfois, on pense des choses, mais tu penses la chose, mais tu n'assumes pas et tu fais croire que c'est... J'ai vu une vidéo trop rigolote hier soir sur TikTok. Oui, Pasteur Iras aussi. Oh là là, le péché. Oh là là. J'ai vu une vidéo trop drôle hier soir sur TikTok. C'est une femme ivoirienne qui fait des vidéos comme ça avec son mari. Et bon, c'est une comédie, hein. c'est pas la réalité, c'est la fiction. Elle est là dans la cuisine, elle dit « Ah, alors, moi, je pense que, voilà, une femme n'est pas obligée. » Non, elle dit « Je ne suis pas obligée de faire à manger tous les soirs et de te dresser la table, blablabla. » Elle dit « Bah oui, on peut le faire, hein, c'est 50-50. » Et là, on voit son mari qui s'approche d'elle avec une ceinture, comme pour la taper. Oh. Et là, elle dit « Oui, bah, en fait, c'est justement ce que ma copine... » Elle dit « C'est justement ce que ma copine disait à son mari hier. Est-ce que tu te rends compte et tout? Elle change tout de suite. Et c'est tellement drôle comme vidéo. Et là, on voit vraiment, encore une fois, il y a certaines femmes qui ont quand même cette capacité à shifter et tout. Un caméléon, là. Mais ouais, à partir du moment où on dit tout le temps on, il y a un problème. Je pense que en tant que femme aujourd'hui, il faut être capable d'assumer. Oui, il y en a même qui le disent, mais finalement, ah non, mais je rigole, c'était juste pour te tester. Oui, c'est vrai. C'était juste pour voir ta réaction, mais tu sais, ben, c'était pas vraiment la vérité, quoi. Mais aussi, on m'a dit pour faire dire la vérité. Dans le sens où tu prêchais le faux. On m'a dit que nanana, alors qu'en fait, c'est juste oui, c'est vrai, moi j'ai vécu ça. Elle crache le truc parce que tu veux juste. Non, ça c'est. Moi, par contre, je me suis bien fait manipuler comme ça. Mais vraiment, mais bien, quoi. Tu vois, où la personne, elle vient régulièrement me dire « Ah, mais tu sais que Mylène m'a dit hein, que vous êtes partie à tel endroit. » Et dans ma tête, je me dis « Ah, mais pourquoi quand Mylène lui a dit ? Elle m'a pas dit qu'elle lui a dit ?» Et finalement, c'est moi qui finis par dire la chose, tu vois. Et ça aussi, je pense que... En fait, guys, c'est pas bon, c'est pas selon Dieu, c'est pas... ça vous éloigne de qui vous êtes réellement. Et ça... En fait, ça enlève la pureté dans vos motivations et dans ce que vous allez faire demain. Même si vous créez une big entreprise avec beaucoup d'argent, si vous manipulez les gens finiront par vous quitter. Vous finirez par perdre ces choses-là. Et surtout, si vous êtes chrétien, le but, en fait, c'est d'emmener les gens petit à petit vers Dieu. Même si c'est un business que vous avez, que votre business ressemble à Christ, quoi. Que vous ressembliez à Christ, en fait. Tu voulais dire, Inès? J'aimerais dire aussi, en fait, même la manipulation, ce sont les méthodes que le diable utilise. Faut vraiment pas qu'on tombe devant parce que nous sommes la lumière. Nous sommes pas, en fait, enfants de Satan. Or, c'est vraiment lui qui utilise ça, par exemple, pour nous mélanger dans nos pensées, par exemple, parce qu'il attaque vraiment les pensées. Il va se cacher, lui, derrière le jeu.
Oui. Il va se oui. cacher derrière. C'est les méthodes que lui, il utilise. Donc vraiment, pour qu'on puisse avoir les yeux ouverts et vraiment, en fait, ne pas utiliser cette méthode-là. La manipulation, le mensonge, l'exagération, le chantage affectif, les menaces, ça sert à rien. En fait, c'est-à-dire que si vraiment... et moi, on va terminer justement par ça. Si vraiment vous êtes appelé à une chose, Dieu vous placera. Et si vraiment vous êtes supposé porter du fruit à cet endroit, Dieu permettra que vous portiez du fruit, en fait, que vous soyez vraiment vrai, soyez vrai, soyez honnête, en fait, soyez intègre. Quelqu'un qui a des grosses responsabilités, qui a beaucoup de que ce soit le business, le ministère, peu importe, vous avez de grandes responsabilités, vous devez être une femme intègre. Et l'intégrité, je crois que c'est l'une des choses qui malheureusement manque de plus en plus, en fait, dans notre société. Et les gens qui ne sont pas intègres ne sont pas à l'aise avec eux-mêmes, en fait. Ils rentrent, même s'ils ont obtenu la chose, ils se sentent coupables. Et vraiment, nous, on veut vous encourager, en fait, à ne pas être des opportunistes. Justement, est-ce qu'on peut parler un peu de ça, opportunisme, c'est-à-dire prêt à tout, en fait, pour obtenir, il me faut ce poste. Donc, s'il me faut ce poste-là, je vais me positionner, je vais agir d'une façon avec le patron. Je sais comment est le patron, je vais agir d'une façon juste parce que je veux me positionner, mais avec les autres, je serai vraiment pas une bonne personne du tout. Bah, déjà, c'est un manque de foi, parce que ça veut dire que tu n'as même pas foi que... Dieu a déjà foi en toi pour te placer à cette place-là. Déjà, rien que ça, ça te disqualifie. Ça peut même faire en sorte que Dieu va retarder ton temps, alors que ça se trouve, il avait déjà prévu qu'il allait te placer. Même, j'ai envie aussi de conseiller les gens qui font ça, d'arrêter de faire ça, parce que, pardon, déjà, ça se voit, ça se sent à 1000 km. Des gens opportunistes qui viennent te parler juste parce qu'ils ont vu que tu étais avec un tel et tout, ça se voit. Et au final, ils vont même pas vouloir te faire monter, parce qu'ils vont se dire, mais toi, en fait, t'es là pourquoi ? T'es là juste pour gratter, pour prendre les miettes. Alors que, en fait, bah, tu vaux déjà quelque chose. Donc, à toi-même de te positionner, de travailler sur tes talents, tes compétences, pour que Dieu puisse te placer. Donc, c'est vraiment même dégradant de faire ça. Donc, Et vraiment se dire, en fait, que Dieu nous a donné quelque chose, comme disait Grace Melody, qu'on n'est pas obligé de rabaisser quelqu'un pour avoir, par exemple, son poste. Quoi. Par exemple, cette personne, elle va pas, peut-être partir parce qu'elle a une opportunité ailleurs ou bien dans l'entreprise, et que si on est destiné à avoir ce poste ou bien cette opportunité, on l'aura, quoi. Parce qu'on se sera distingué avec nos qualités, avec nos compétences, et vraiment se dire que c'était la saison de cette personne et que la nôtre arrivera, quoi, et qu'on n'a pas besoin de précipiter des choses pour un poste où on va échouer finalement, parce qu'on ne sera pas préparé assez. Et vraiment se dire que si on ne l'a pas, c'est parce qu'on a besoin d'être préparé. Et que quand ça arrivera, c'est parce qu'on pourra exceller, on pourra donner notre maximum. Et qu'on peut le faire grâce à ce qu'on a en nous, quoi. Pas en se confessant d'abord. J'aimerais dire que aussi, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. C'est-à-dire, normalement, si ta vie est donnée à Christ, si normalement ta vie, tu es fille, fils de Dieu, conduit. Voilà. De femmes ou filles, peut-être les hommes aussi, mais conduits par l'Esprit de Dieu, normalement tu dois avoir cette confiance-là, cette foi-là en Dieu, et ne pas forcément s'acharner à faire les choses par soi-même. C'est un manque de confiance. Et du coup, tu empêches à ce que Dieu puisse agir lui-même. C'est lui qui élève. C'est lui qui élève. C'est pas l'homme, c'est pas par soi-même, c'est pas par tes forces que tu pourras arriver à ces choses-là. C'est dit. Parce que les hommes ne sont que finalement des instruments que Dieu va utiliser, mais c'est Dieu en fait qui va t'élever. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit un peu avant en disant que sinon en fait tu vas vivre une vie qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la vraie, qui est fake en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des fake bénédictions? Fake bénédiction, c'est quand la bénédiction, c'est toi qui es parti la chercher, elle est fake. Lambano. Mais là, c'est pas lambano. Parce que lambano, ça veut dire que Dieu a disposé la chose pour toi. Mais ça va te détruire, quoi. Voilà. Quelque chose qui va te précipiter. Mais la bénédiction que tu vas chercher par la manipulation, par le mensonge, par... le chantage affectif, par les menaces et tout, la bénédiction que tu vas chercher comme ça, il y a forcément un poison derrière, il y a une épine derrière. C'est comme une rose. Quand tu la regardes, là, tu ne vas pas la tenir n'importe comment. C'est pour ça que je dis que les fleurs ne sont pas faites pour être arrachées. Quand tu arraches une rose, quand tu arraches une rose, en fait, tu t'exposes à être piquée par une épine, en fait. Et en fait, tu ne dois pas arracher
ce que tu n'es pas supposé arracher. Tu dois laisser les gens t'offrir des roses. Ah, vous avez entendu. C'est vraiment dit ça. Offrez des roses. Voilà. Il faut laisser les gens t'offrir des roses. En fait, il faut laisser le Seigneur frayer le chemin. En fait, et c'est là où tu te rends compte que nous, en tant que femmes chrétiennes, on n'a pas beaucoup d'efforts à fournir. Notre effort à fournir, c'est la foi. Notre premier effort à fournir, c'est la foi. Et le travail. Oui, mais tu sais que quand tu travailles par la foi, quand tu travailles avec Dieu, le travail ne te paraît pas aussi pénible. La vérité. Parce que, en fait, tu travailles avec une espérance. C'est ça. Tu vois ? Tu travailles avec une espérance. Mais quelqu'un, regardez de nos jours, les gens qui vont au travail juste pour aller au travail, c'est compliqué. C'est dur. Ouais, c'est dur. Et parfois, ils n'ont pas de vision, ils ne savent pas vraiment où ils vont, etc. Ils font des choses, mais ils ne sont pas sûrs d'eux, en fait. C'est ça. Ils sont pas épanouis, quoi. Ils travaillent que pour l'argent, en fait. Mais sans vraiment savoir, en fait, pourquoi. Pourquoi tu fais ça en fait? Parce que on va dire, je pense que normalement, quand on travaille dans une entreprise, forcément c'est, je dirais pas à temps plein, mais c'est, on va dire, une phase préparatoire en fait, sur ce que Dieu veut. Veut t'emmener. She's talking. Partie 2, on est là. She's talking. Comment? Mais voilà, enfin, je veux dire, Dieu nous appelle à être, à créer des entreprises, à créer des choses. En fait, en fait, tout dépend de notre intimité avec Dieu. Il faut apprendre à écouter, à avoir du discernement. Et donc, forcément, quand on est dans une certaine position, il faut juste faire confiance en Dieu, en fait. Confiance en lui, savoir que là, c'est parce qu'il est en train de nous préparer à quelque chose. C'est pour acquérir des compétences pour la suite, en fait. Amen. C'est très profond. En fait, prenez le temps, chères dames, peut-être chers hommes aussi, si vous êtes là, mais prenez le temps de d'entrer dans ce processus par lequel Dieu vous fait passer et n'essayez pas de griller des étapes, en fait. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique parce que vouloir aller plus vite que son temps va forcément vous emmener à manipuler les gens. En fait, vous allez forcément poser des actions pour accélérer les choses alors que Dieu a prévu le temps de l'accélération. Le temps de la préparation, c'est un temps important, en fait, qu'il faut vraiment prendre. Je vais lire un verset dans la Bible, dans Matthieu 20 au verset 16, qui dit « Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Mais qu'est-ce que ça fait mal, ce verset? Premier pour finir, dernier, qu'est-ce que c'est? Mais je vous assure, et d'une manière ou d'une autre, on l'a tous un peu expérimenté. Et c'est quand tu l'expérimentes que tu te dis « Ah ouais, non, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais pas dû aller ici. » Et tu prends le temps, en fait, de t'analyser. Mais cette émission, c'est aussi pour vous éviter d'expérimenter un certain nombre de choses, de faire un certain nombre d'erreurs et tout, parce que bah, y en a qui l'ont déjà fait, donc c'est pas la peine, c'est pas la peine. L'apôtre a l'habitude de dire que les gens intelligents apprennent des erreurs des autres. Et les gens plus intelligents, pourquoi déjà? Les gens plus intelligents apprennent de leurs erreurs. Ok, donc les gens intelligents apprennent de leurs erreurs, d'accord. Ça c'est moi ça. Avant, tu sais, j'étais intelligente, là j'ai appris de mes erreurs, mais comme je suis devenue plus intelligente, là maintenant je vais commencer à apprendre des erreurs des autres. Et c'est ça en fait, il faut maintenant apprendre des erreurs des autres et se dire en fait non, je dois rester focus sur la destinée, le chemin que Dieu a tracé pour moi. Et je reviens à ce que Inès a dit au début quand elle a dit que bon, en fait chacun a quelque chose à accomplir, on a tous quelque chose à accomplir, mais finalement chacun a son couloir et chacun dans la course là, tu es tout seul. Il y a personne, tu n'as pas besoin de manipuler les gens. Regarder à droite, moi, je vais aller là-bas. Tu es tout seul. Oui, tu es tout seul dans ta course. Enfin bref, les filles, c'était vraiment un plaisir. Merci. Amen. Ah ouais. Que tu as délivré de la manipulation. Vous êtes libre au nom de Jésus. Nous le déclarons, nous le croyons. Nous croyons que ces paroles en fait procurent la vie en vous. Et vraiment, chères femmes, si vous voulez en fait être une femme qui réussit, qui accomplit de grandes choses, faites-le avec les bonnes méthodes. Le tout, ce n'est pas simplement d'y arriver, mais la façon dont vous allez y arriver compte aussi. Parce que la pérennité de ce que vous faites dépend de comment est-ce que vous avez fait pour y arriver et des outils que vous avez utilisés. Alors à partir de ce soir-là, détruis la manipulation. Amen. Tu vas poser la question, mais comment on fait pour détruire la manipulation?
nous allons nous déclarons au nom puissant de Jésus que tout esprit de manipulation sur ta vie quitte au nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Nous proclamons la vie sur toi. Nous déclarons dans le nom de Jésus que tout esprit qui voulait te stopper ne te stoppe plus. Nous déclarons au nom de Jésus que tu es libre maintenant. Tu es libre du chantage. Tu es libre du chantage affectif. Tu es libre du mensonge. Tu es libre de l'exagération. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur te place à l'endroit où tu dois être. Tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas accomplir de grandes choses. Rien ni personne ne pourra te stopper. Le Seigneur est pour toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne ne sera contre toi. Tu vas réussir ta destinée au nom de Jésus. Des paroles de vie qui vont te poursuivre. Des paroles de vie qui vont te permettre de réussir, de monter et de ne plus jamais tomber, de ne plus jamais échouer. Je déclare que cet esprit qui t'enferme dans le chantage affectif te quitte. Cet esprit qui t'enferme dans le mensonge te quitte. Tu es libre. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je déclare au nom de Jésus que tu es libre. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Oh yes, ah, oh là là les filles, c'est trop bien de faire cette émission avec vous, je suis trop contente. Bon bah, prochaine émission ensemble quoi. Yes. Voilà, merci à vous tous qui avez regardé cette émission. Sachez que vous pouvez nous soutenir sur Évangile TV en envoyant des dons. Voilà, voilà, et nous vous embrassons très fort. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye.